Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. De nouveau pour notre rubrique spéciale qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous rappelle, une fois par semaine, maintenant on va faire une vidéo avec un objet et l'objet on va le couper en deux pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On a déjà fait une première vidéo avec la base Cushy qui a eu beaucoup de succès. On a eu beaucoup de commentaires, tout le monde voulait voir d'autres objets. Donc si vous avez des idées, si vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un objet, écrivez-le nous en commentaire et je me ferai un plaisir de le couper en deux. Et ne le faites pas chez vous, c'est très dangereux parce que je vais utiliser des scies circulaires, des cutters, plein de choses qui coupent. Alors si vous avez envie de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un objet, marquez-le en commentaire et je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour découvrir cet objet. Je suis sûr que vous le connaissez tous, vous avez déjà tous eu un dans la main, c'est le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, né en 1974, un petit peu d'histoire mes amis, ça fait pas de mal. Le Rubik's Cube, né en 1974, en Roumanie, qui a eu un gros succès dans les années 80. Il s'en est vendu plus de 100 millions dans le monde. Et nous, on va le couper en deux. Je me suis toujours demandé comment ça faisait pour tourner dans tous les sens. Et là, on va découvrir comment ça marche. Alors j'ai trouvé ce Rubik's Cube, j'ai pas pris un vrai Rubik's Cube, j'ai acheté ce Rubik's Cube sur eBay, ça vient de Chine, mais je pense que l'architecture intérieure est identique au vrai. Il tourne un petit peu moins bien, les vrais ils tournent super vite. Celui-là il tourne un petit peu moins bien, mais je pense qu'à l'intérieur c'est pareil. On va tout de suite voir. Je vais découper ça en deux avec l'aide de mon assistant Juliane. Et on va voir ça. Bon ben on va s'y mettre. D'abord je voulais faire avec la scie circulaire. Mais j'ai peur que ça explose tout la scie circulaire. Alors on va essayer avec la scie normale. Ouais ça va. Oh là, et tout qui part. Alors là, on commence déjà à voir la structure à l'intérieur. Je vais essayer de pas trop là. Oui. Voilà, là on arrive à la structure complète. Alors on va mettre un coup encore. Donc comment que c'est fixé ça? Donc là on a l'axe principal et là c'est les éléments qui viennent des côtés qui se... Alors comment ils font ça à l'usine, ça j'ai aucune idée, mais ah voilà, comme ça. Donc celui-là il est fixé dedans et là ça se glisse à l'intérieur. On va tout enlever, comme ça vous allez voir la structure exacte. Donc ça c'est un Rubik's Cube de Chine, mais à mon avis le vrai Rubik's Cube c'est identique. Bon la vidéo elle est finie. Bon la vidéo elle est finie. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez envie de savoir, n'oubliez pas, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans un objet, écrivez-le en commentaire, mais ne le faites pas tout seul, c'est dangereux avec ces outils comme ça. Ça peut couper, ça peut faire très mal. Alors on vous souhaite une bonne journée et puis ciao tout le monde. Ciao. Attends, je vais le refaire. Aujourd'hui nous nous la réunis pour un super jeu. Je vous ai dégoté une perle. Alors ça s'appelle Wet Head et c'est un chapeau qu'on met sur la tête. Avec de l'eau dedans. Donc on va ouvrir ce paquet là pour voir ce qu'il y a dedans. C'est un truc. Quoi?
C'est un truc super super drôle. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Un casque. Un casque. Un dings boost où on se met de l'eau. Et des bâtons. Donc un casque qu'on en met sur la tête. Ça, ça se fixe sur le casque. Et des bâtons qu'on va fixer là-dedans. Donc on va assembler le tout. Voilà. Et dans le casque, dans l'espèce truc bleu là, on met de l'eau. Dans le dings. Le dings boom. Et là, 1, 2, 3, 4. Pour un lycée, il faut beaucoup d'eau qui vient dedans. Oui. Oui, patron. 8 pages. Oui. Ça coule en bas. Ça coule partout. Ça coule partout. Il faut mettre les baguettes d'abord. Il faut mettre les baguettes là. Attends, laisse-moi je faire ça. Ça coule par terre. Petit accident de parcours. Ça tourne. Arrête, arrête. Ça tourne. Alors, vous allez les enfoncer dedans. Et donc vous avez compris le jeu, on met l'eau dedans. On met l'eau là-dedans, le casque sur la tête. Normalement, il y a une petite roulette, et je sais pas, j'ai acheté ça sur eBay, la roulette n'était pas avec, et il y a une petite roulette qui nous indique combien de baguettes on doit retirer. Donc nous, on va pas le faire comme ça, on va le faire un après l'autre. Hein. Alicia, tu vas commencer, non. Tu vas mettre le casque sur la tête, tu vas tirer une baguette, après moi, après Julia. Non, Alicia, moi. Toi. D'accord, ok. Le plus grand. Bon, on va remettre l'eau dedans, j'espère que ça va pas couler. Oui. 15. Bon. Bon, tout est installé, on va pouvoir commencer à jouer. Hein. Non. Donc Alicia, t'es prête? Papa, ça avec le roulette, on peut aussi faire avec un dé. Avec un dé, ça va pas, parce que dé, il y a six six numéros. Ici. Et là, sur la roulette, il n'y en a que 2 ou 3 normalement. Alors, tu vas mettre ça sur la tête, Alicia. Bien fermé. Oh, ouais. Et voilà, maintenant tu peux. Montre-moi la commenter. Attends. Voilà, faut bien. Ah oui, j'ai pas bien mis. Aïe. Voilà. Aïe. Voilà. Allez, Alicia, tu peux tirer. Je te tiens le casque, moi. Tu tires celui que tu veux. Tire fort. Tu arrives? Non. Rien? Non, rien. Ah, t'es la chance. Non, c'est moi. Ah, ça fait mal. Avec tes boucles d'oreilles, mets-le bien en dessous. Maintenant j'ai des autres boucles d'oreilles. Alors une, tu vas tirer une. Nous on en fait que une. Hein. Normalement il y a la roulette comme je vous ai dit. Rien. Papa. À moi maintenant. Moi je vais avoir les parcs. Ça très beaucoup ça, papa. Alors, à moi. Avec ma grosse tête. Il est trop petit. Moi, je vais pas le fermer, je vais le tenir comme ça. Attention. Roulement de tambour. Rien. Non, ça va être de plus en plus critique. Ça va être de plus en plus critique, tu l'as dit, Julien. Allez, je tiens le casque. Rien. Oh non, ça devient critique. Ça va être pour toi, je le sens. Ah, et moi, c'est du loup parce qu'on peut faire des fruits ourtiens. Chez moi, c'est un peu mouillé. Rien. Oh, ouais.
Vertigo. Bon, si le jeu il vous plaît, dans la description, je vous ai mis où je l'ai acheté, hein. Maintenant, à moi. Alors, combien de baguettes il reste? Une. Un, deux. Trois, quatre. Trois, il n'y a que trois. Trois baguettes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je sens mal là. Ah, ça veut dire combien de baguettes il reste? Deux. C'est pour toi ou c'est pour toi la touche? S'il te plaît, Alic. S'il te plaît, Julia. Là, t'en as une là, laquelle tu veux? Julia. Julia. Oh non. Julia va avoir refusé. Ah ouais. C'est bon comme toi. Oh, t'as eu la bonne touche, hein. C'est trop. Sur la tête, y'a rien, ça tombe que sur mes côtés. Ouais, parce que sur la tête, t'as tous les cheveux qui font barrage. Oh. Bah, pour moi, ça va être difficile. Bon, ouais, comme vous l'avez vu, c'est un jeu très très rigolo. Encore une fois. Un jeu très très rigolo, vous êtes obligé de rigoler avec ça. Et puis ça coûte pas très cher, on l'a payé 12 euros je crois. Merci pour la douche Juliane, tu nous as fait bien rigoler. Et ciao tout le monde.